perdu, mission. Repars dans l'autre sens. Muse. Tu n'es pas menti. Trop musclé. Mais si tu as assez de drachmes sur toi, on peut faire affaire. Thespis a dit que je te trouverai ici. Oh, mon cher Thespis. Un artiste dans bien des domaines. Mais parlons plutôt de nous. Non, tu ne comprends pas. J'ai besoin de ton aide. Oui, comme beaucoup de monde. Mes mains guérissent mieux que celles d'Hippocrate. Non, c'est Thespis qui m'envoie. Bon, je ne sais pas ce que tu suggères, mais sache que je ne fais pas de réduction pour ses amis. Non, Thespis veut que tu ailles chez lui. Il a besoin de ton aide pour jouer, demain. Thespis aime beaucoup jouer. Mais il faudra bien qu'il se passe de moi cette fois-ci. Mais tu es sa muse. Le commandant Rexenor a été clair. Si je vais voir Thespis aujourd'hui, ça me coûtera la vie. J'entends beaucoup parler de ce commandant Rexenor ces temps-ci. C'est l'un des lieutenants de Cléon. Des filles m'ont parlé de lui. Il aime bien se déguiser. Il a une jolie cape et un masque. Et il aime cogner. Désolé. Il commande la garnison locale. Ces hommes traînent toujours par ici. Si je partais, ils le sauraient tout de suite. Pourquoi ce commandant t'a-t-il menacé? Tout ça, c'est à cause de cette saleté de pièce. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour protéger la réputation de Cléon. Mais de là à te menacer? Les acteurs sont superstitieux, c'est bien connu. Le commandant Rexenor sait pertinemment que Thespis ne jouera pas si sa muse n'est pas auprès de lui. Ne t'en fais pas. Je vais aller parler à ce Rexenor. On voit bien que tu ne connais pas la cruauté de cet homme. Il ne s'agit pas d'un banal soldat athénien. C'est-à-dire? Des réunions secrètes, des visiteurs étranges. Il me donne la chair de poule. Tu vas devoir le tuer. Il n'y a pas d'autre solution. Et si je le fais? Tu iras voir Thespis? Oh, j'en serais ravie. Où est-ce que je vais le trouver, ce commandant? Dans la caserne, de l'autre côté de la rue, au nord. Les filles doivent se déplacer quand ils réclament leur service. Il n'a plus l'endurance de venir jusqu'ici. Tu peux me le décrire? Il porte un de ces grands casques aussi stupides qu'ostentatoires. Il compense pour ce qu'il n'a pas. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de lui. Comme preuve, rapporte-moi sa petite épée. Je reviens bientôt. Aucun homme n'est heureux avant sa mort. Il n'y a pas de bonheur. Il n'y a que de la chance. Rexenor est apparenté au culte de Cosmos, aucun doute là-dessus. Mato, non si fa riparare.
Cet endroit sera en alerte. C'est seulement pour la récompense. Tu vas mourir!
mercenaires n'ont pas leur place ici. Ça tira comme preuve de sa mort. Je pensais à un autre genre de petite épée. Mais bon, tant qu'il est mort. J'ai rempli mon rôle. Toi, assure-toi que Thespis sera au théâtre pour tenir le sien. Est-ce que tu es tendu ? Viens t'allonger un moment. On a le temps de s'amuser un peu. Ou tu es du genre « travail, travail ». Ce n'est pas vraiment le moment. Il y a plus en jeu que quelques instants de plaisir. Quelques instants ? Je crois que tu te sous-estimes. Le sort d'Athènes dépend peut-être de cette pièce. Il faut que tu tiennes parole et que tu ailles voir Thespis. Ne t'en fais pas. Je te verrai au théâtre avec Thespis. Ils vont monter la garde dans les environs. Ugh.
Dis-moi que tu as des nouvelles de Thespis. Il va bien. Et il pourra jouer dans ta pièce demain. Oh, les dieux soient loués. Je sais comment sont les acteurs. Comparé à ce que je fais d'habitude, ça a été rafraîchissant. Je suis ravi de l'entendre. Tiens, pour ta peine. Le peuple est peut-être le cœur d'Athènes, mais ma pièce va devenir sa voix. Car vous savez qu'il a été élevé dans une porcherie. Quelles insultes quand je pense que j'allais proposer qu'une statue soit érigée pour chacun de vous en l'honneur de votre courage. Voyez, ils nous traitent comme de vieux gâteux et rampent à nos pieds pour nous berner. Mais la ruse qui abrite son pouvoir va se retourner contre lui. Oh, malheur, les comploteurs m'ôtent la vie. Oh.